Là, tu sens un petit peu la force. Non. Laisse pas dominer. Laisse pas contrôler. Laisse pas contrôler. Laisse pas contrôler. Voilà. C'est bon, t'es pro là. T'es déjà senti. Non. Laisse pas contrôler tes poignets. La tête non plus. C'est toi qui le contrôle. C'est toi qui le contrôle. C'est toi. C'est toi. Laisse pas la main dans ton cou. Tourne pas le dos comme ça. Peter, maintenant qu'il fait attention, rentre dans la jambe, prenez la tête et enlevez le bras. Laisse attraper sa tête, prenez le lève, le bras, tu rentres dans la jambe, regarde comme elle est proche. Bon, vas-y, reprends d'abord la tête. Voilà, je reste comme ça. Un, deux, trois.
back. C'était l'adversaire qui a, l'Ukrainien que j'ai eu là, c'était celui qui avait battu mon collègue juste avant. Donc, comme j'avais promis, on va dire que je l'ai battu. Il était dur. Techniquement, je me suis senti au-dessus. Physiquement, il m'a mis la pression. Il m'a mis la pression, il m'a un peu étouffé. Et ensuite, ça s'est joué au sol. J'ai réussi à avoir un triangle. J'ai eu un triangle pendant, comme tu as dit, 2 minutes. Je suis parti à un moment, j'ai transitionné sur une clé de bras. La clé de bras était vraiment tendue. Je préférais relâcher. Je n'ai pas pété un bras pour ça. Et donc, du coup, le match est terminé à 4-1. Dont à la fin, j'étais en sécurité sur le triangle. Et voilà. Donc maintenant, on passe en demi-finale contre un adversaire qui s'appelle Fabien Brochetel, qui m'a concocté ce petit short. Là. Et je vais essayer de le battre avec le short qu'il m'a offert pour le 100% fight. Donc voilà, on se retrouve demi-finale de français. Donc voilà, merci. C'est cool. Merci Peter. Merci.